Il vient pas parler. Ils viennent pas parler du tout. Mais qui a dit qu'ils allaient parler? Évidemment que non. Aujourd'hui, j'ai reçu un message du chef des clowns tueurs. Il m'envoie un message, il me dit j'ai regardé tes vidéos et ça m'intéresserait de faire des caps ou tes caps ou pas caps. Du coup, c'est parti. On va aller chercher tout de suite. J'espère qu'il est là parce qu'il m'a dit rendez-vous Ben Drone. Déjà quand il parle, on dirait genre il est malade. Il est instable comme moi. Et il me dit rendez-vous Ben, viens en claquette. Autrement, je pourrais pas. Donc, je suis venu en claquette pour faire plaisir. Alors, je vais montrer les claquettes que j'ai mis. Alors, je retourne la caméra. Voilà. J'ai mis une claquette noire et une claquette grise. Il m'a dit viens en claquette. Clown tueur, je suis là. Je suis dans la benne où t'as dit drone cassé. Tu peux sortir. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit je peux faire tes défis. Quand seras-tu disponible? Car là, on est la nuit, quoi, c'est un peu. Quoi, soleil? Quelle heure, à peu près? Midi? Si c'est midi, fais tape dans tes mains. Si c'est 6 heures, tape 3 fois dans tes mains. Comme tu veux, je suis dispo. 6 heures? 6 heures. Est-ce que tu peux me montrer où tu dors un petit peu ou pas? Ils sont où les autres clowns? Dans l'autre benne? Et pourquoi t'es tout seul ici? Ah ouais. Ah ouais. Donc, tu peux me permettre d'accéder à ta maison? On va voir les gars. Où il vit? Alors, hop. Et tu dors ici dans les cartons? Ah oui, pas mal, pas mal. Tu me permets que je prends une photo de toi pour la mettre sur YouTube? J'ai ton autorisation? Je prends la photo. Bah voilà, comme tueur, je serai là demain. Du coup, tu m'as dit demain 8h, c'est bien ça? Mais demain 6h. Midi. Ok, parce que je comprends. Et je vais te poser une question. Pourquoi t'as cassé mon drone la dernière fois? Une tueur, pourquoi t'as cassé mon drone la dernière fois? Oh oh! C'est bon, je me calme. Demain à 8h, je me calme. Je pars, je fuis. Clown tueur, viens ici. En plus, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il m'a ramené un cadeau, si je me rappelais de la benne. Il me fait pas peur, moi. C'est un beau cadeau quand même. Quoi? Ah, je jette pas le cadeau. C'est bon, regarde, je le pose comme ça. Premier défi que le tueur, tu sais que j'aime la nourriture de chat. Est-ce que c'est craquable d'en manger? Il serait capable de manger la nourriture de chat. Ah ouais, lui il est chaud. Il m'a dit, je suis capable de manger la nourriture de chat. Tu peux manger, vas-y, tu peux en le jeter. On va voir s'il mange. Ah à moi maintenant. Et lui reste calme. Oh, mon cœur il tremble. Ah, je pouvais pas, je les ai mis dans les commentaires, c'est vrai. Bon. Regardez, j'ai les larmes aux yeux. Deuxième défi, clown, tu veux? Et tu capes de faire ma technique favorite que je fais sur mes films. Tu te roules par terre et tu fais ça. Vas-y.
il est chaud. Mais attends, le défi le plus hard, le plus attendu. Un défi vraiment hard que tout le monde m'a dit, c'est vraiment dégueulasse. Et tu capes pour ce défi de boire une flaque d'eau. Es-tu vraiment capable? Donc, approchons. Es-tu capable de la manger, de boire? Vas-y, bah, fais le défi. Je te montre en premier comment on fait. Donc tu filmes bien, caméraman, faut bien qu'on voit qu'on goûte le vin. Vous écoutez. Ah, ça a un goût de dead. À toi maintenant. Vas-y. C'est les capes ou pas capes. Il faut bien qu'on voit, essayer de. Regardez. Ah, il l'a vu! Troisième défi. Là, défi plus hard encore. Là, il y a des jeunes, qui jouent au foot là-bas. Ils sont presque en train de regarder parce qu'ils seraient capables de leur voir là-bas. C'est parti, le culture fait vraiment tous mes défis. Je pense que ce serait bien qu'il filme, accroche pas. Ce serait bien qu'il filme. Oh, le caméraman, il a mis une balayette monstrueuse. Bonne balayette, hein. Oh, vas-y, défonce-le. Hey, mini moquille. Concentre pas ce que tu filmes. On voit bien. C'est bon. Garde du corps. Stop. Nous avons le combattant ici qui enlève ce truc. Donc c'est un petit enfant. Donc voilà, je le connais. Il va se battre contre le clown tueur. Le clown tueur qui attaque. Et là nous avons un autre défi. Attends, je t'ai pas dit tout de suite. Donc pour l'instant, le fight, le clown tueur se fait défoncer. Calmez-vous. C'est bon, c'est les petits qui ont gagné, voilà. Donc voilà, vous pouvez vous calmer. Donc bien joué à... Comment tu t'appelles, toi? C'est Masco. Masco. Et toi? Pedro. Il s'appelle Pedro, donc voilà. Comme je l'ai dit, n'ayez pas peur des clôtures, vous pouvez vous défendre contre eux. Donc ils sont là, et des fois ils sont... Allez, tenez. Claquette. Défoncez-le avec la claquette. C'est bon, calmez-vous. Pour les tueurs, il m'a dit je peux manger de l'herbe. Comme toi. Vas-y, mange. Parce que moi j'ai déjà mangé de l'herbe. Non, ouais, prends de l'herbe. Et voilà, mange-le. Lève-toi maintenant, pour bien montrer que tu manges bien l'herbe. Ah, il est vraiment dégueu. Du coup là je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, les enfants, n'ayez pas peur des clowns parce qu'il s'est fait défoncer par un petit enfant de 6 ans. Oh! T'as quel âge toi? 20. 6 ans? Il a 6 ans, voilà. Donc voilà, il s'est fait taper par un clown de 6 ans, gars. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.